Toi, les enfants.
passagers du vol New York-Bangkok qui doivent tenir 18 heures sans fumer. 18 heures! Naturellement, élémentaire! Comme votre mari, Tim Milouche, votre sœur idiote! Oh.
Oh!
You made it to the court.
Thank you.
Escacis, ecirsate, opetes os,
vos padre. Ego, peccate ciste quino noti. Poi bardo cuntoni de naiti poi quino Cristo non misteis. En folie libros, pane. Ego, peccate ciste quino noti. Thank you.
imaginez, pour un instant, la solitude du dernier spécimen d'une espèce en voie de disparition. Grégoire représente le dernier spécimen de la race humaine. Il a pourtant été entouré de personnes toute sa vie, mais ces personnes sont des êtres formatés qui n'ont plus rien en commun avec l'être humain. Il n'est, lui, à leurs yeux, qu'un insecte répugnant qu'on doit écraser à tout prix. Le rêve de Grégoire débute avec une arrestation. L'après-volée fête largement.
qu'il m'a suffi de paraître devant ce nombreux auditoire pour mettre dans tous les yeux la plus étincelante. Plus étrange. D'une part, Grégoire rêve à sa propre vie, guidé par le personnage de la folie. Les petits écoliers continuent à apprendre la matière du programme par cœur, sans réfléchir, ils deviennent gras, la salle de classe se transforme en bureau, l'institutrice en superviseuse. Le formatage collectif a très très bien fonctionné, tout roule rondement dans le meilleur des mondes. Grégoire sera également le spectateur privilégié de l'envers du décor. Il assistera à une scène parlementaire du monde des rêves. D'un bord, les dieux des marchés, le nouveau parti au pouvoir. De l'autre, les dieux des livres poussiéreux, le parti d'opposition. Grégoire se réveille de ses cauchemars en sursaut, ne comprend rien du tout à son sort. Il fait la connaissance de Mathilde. Grégoire et Mathilde communiquent par cette petite porte sans se voir tout au long de l'opéra. Mathilde pose les questions qui feront comprendre à Grégoire pourquoi il est accusé. Arrive l'aube et la scène de la fusillade, qu'arrivera-t-il à Grégoire?
interlude synoptique terminé. J'étais dans une forêt obscure, mais il est trop tard. Ils vont tuer ce qu'il reste de l'humanité, une âme à la fois. Tu es tout ce qu'il reste de l'humanité. Qui es-tu ? Thank you.
sa tête en paix tranquille, qui dans le lac du cœur avait tué la nuit que j'ai passée. N'est pas si sage qu'il croit.